Monsieur Lassalle, vous n'avez pas la parole. Et Madame Ménard, un rappel au règlement. Et Madame Pinel, un rappel au règlement. Et Monsieur Lassalle, vous n'avez plus de droit de parole sur... Eh ben, Non, mais vous faites partie des non-inscrits. Il n'y a plus de temps de parole. Vous n'êtes pas un sous-député. Vous connaissez le règlement. Alors, je vous confirme que non, pas du tout. La consommation énergétique ne va pas augmenter, elle va baisser. En revanche, la consommation électrique, elle, va augmenter. Je suis étonnée que vous fassiez encore ce genre d'erreur, monsieur la rapporteure. Pour le reste... Non, vous n'êtes pas... Monsieur Lassalle, rappel au règlement, madame Ménard. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Vous connaissez le règlement. Mais c'est pas une... Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, calmez-vous. Sur la question, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire que lorsque monsieur Aubert dit « Madame le Président », on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est conforme à la langue française. C'est conforme à la langue française. Lorsque vous dites « Monsieur la rapporteure », c'est une provocation et je ne veux pas la laisser passer, Madame la Ministre. Madame la Présidente, avec tout le respect que je dois à votre personne et à votre fonction, et vous savez que je vous apprécie énormément, je demande de manière très claire à être appelée Madame la Ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas cela, eh bien, il sera appelé Monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité. Non, Madame la Ministre, non. Je crois que là, vous ne pouvez pas tordre les usages de la langue, je regrette. Ah, si. Si Monsieur Aubert vous appelle Madame le Ministre, c'est un usage validé par l'Académie française. En revanche, Monsieur la rapporteure, ça ne l'est pas, je regrette. Non. Indépendamment de ce qu'on peut en penser. Calmez-vous, je vous expliquais le règlement. Si vous étiez là au tout début de la séance, vous auriez entendu que les non-inscrits n'ont plus de droit de parole et vous faites partie des non-inscrits. Je vous remercie de respecter le règlement. Vous n'êtes pas... Monsieur, s'il vous plaît, soit vous sortez, monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle. Il est inutile de hurler, cela ne m'intimide pas, le moins du monde. Alors vous vous épuisez pour rien, surtout que la plupart d'entre vous ne savent pas écrire et respirer en même temps, vous allez nous faire un arrêt cardiaque. Ça y est, vous avez terminé, je vous remercie. Au revoir. Ne me remerciez pas, Madame Ménard. Allez-y, Madame Ménard. Merci. Allez-y. Alors, j'estime que vous êtes en train de consommer une déroute morale qui sera bien plaisante à vivre d'ici peu, quand nous vous donnerons le dernier coup. Et oui, le dernier coup, verbal, collègue, paix sur vos bancs, paix les brebis. Oui, non mais les coups verbaux, vous ne connaissez que les coups physiques, ça ne m'étonne pas, vous n'êtes pas civilisé. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je veux vous entretenir de la prolongation des mesures d'accompagnement liées à la crise sanitaire jusqu'au 31 octobre que nous allons examiner. Je me dois de reconnaître qu'il y a des sujets qui restent tabous dans notre Assemblée à un moment aussi important. Je veux par exemple parler de celui des discothèques. Alors, les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents. Et je ne compte même pas les ministres. Monsieur Lassalle, vous égarez là. Revenons. Attendez, laissez-moi parler, il y a trop de bruit. Vous n'avez pas fait comme l'arbitre, vous n'avez pas arrêté le. Ah non, vous continuez. Non, je ne vous coupe pas la parole. Je vous demandais de recentrer votre propos. Alors, comment peut-on expliquer cette inégalité de traitement avec les discothèques. 45 000 emplois
dont 1,3 milliard de pertes jusqu'à maintenant. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessayes.